Une info au ciné. Oui. Oui, Charles. Oui, avec un film qui va débarquer sur Netflix, un film culte, on peut le dire, mythique. Emmanuel, ça rappelle des souvenirs à certains, j'en suis sûr. Alors pour les plus jeunes d'entre nous, Quentin Vinet, on va rappeler le film Emmanuel, sorti en 1974, adapté d'un roman. Il s'agit du plus grand succès d'un film érotique au cinéma en France. 9 millions de spectateurs à l'époque. Une affiche aussi mythique, hein, ce fameux fauteuil en osier. Quant à l'intrigue, Quentin, le film raconte, je cite, « les aventures érotiques d'une jeune femme naïve qui part pour Bangkok où son mari diplomate lui fait découvrir un nouveau monde de plaisirs sexuels ». Voilà la description de Netflix. Très bien renseigné. Mais il va falloir, patienter, te retenir un peu, Quentin. Jamais vu ? Moi, je l'ai vu, évidemment. Moi aussi, je l'ai vu. Vous l'avez vu ? Culture générale. J'ai vu des extraits. Mais ce ne sont pas les extraits qui sont intéressants. Je vais me rattraper, j'ai Netflix. Ce sera l'occasion. Emmanuel Arsan, le livre. Moi, j'ai lu le livre avant de voir le film. On se passait presque sous le manteau. C'est mieux de le faire comme ça ? C'est mieux le livre, bien sûr, bien sûr. Qu'on se passait sous le manteau à l'époque. C'était interdit. Évidemment. Ce livre a été interdit. Bien sûr. Et a été un alors que aujourd'hui, enfin, il n'est pas, ça n'a rien d'extraordinairement. Oui, mais à l'époque, c'est pas facile de procurer des choses comme ça. C'était avant que ça l'avait la redoute. Il faut aller le voir. Il faut aller le voir. Non, en tout cas, 1er juillet sur Netflix la semaine prochaine. Ça va faire un carton. Bah oui, c'est sûr. Je suis sûr. Il est tous les vieux films cartonnent d'ailleurs en ce moment sur Netflix. Il est les actrices. Je n'ai pas son nom, mais elle a fait... Elle est hollandaise, non ? Sonia Christel, je crois que c'est Sonia Christel. Oui. C'est Sonia Christel ? Je vais regarder tout de suite. Néerlandaise. On va trouver les infos. Je crois bien, si ma mémoire est bonne, mais je ne suis pas certain. Peut-être pas Sonia, je ne suis pas certain. Oui, c'est possible, Sonia Christel. Sylvia Christel, voilà. Néerlandaise. Souvenir ému de Jean-Jacques ce matin.